Mon sommeil, eh bien, je trouve ça très pénible de se réveiller plus fatigué que la veille, comme si dormir pouvait fatiguer, et pourtant je dormais 10 heures par nuit. Un jour, une copine m'a dit, tu as un sommeil de proie. Ah bon? Un autre jour, le spécialiste du sommeil m'explique, vous avez peu de sommeil profond et peu de sommeil paradoxal, madame. Ah ben mince alors, mais que faire? Il me répond, lâcher prise, et il se garde bien de m'expliquer quoi que ce soit. Et moi qui croyais déjà lâcher prise après 20 ans de yoga et de relaxation, c'était raté. Mais comment faire pour avoir un sommeil plus profond? Manger une banane à 4 heures, pas d'écran le soir, boire des tisanes? J'ai tout essayé, jusqu'au jour où j'ai découvert le MDR. Eh bien, figurez-vous qu'au fur et à mesure des séances, à force de traiter et de retraiter des émotions très anciennes, eh bien, mon sommeil s'améliore. Oh, je n'ai pas encore un sommeil de bébé, mais un sommeil qui est un peu plus réparateur. Et ça, c'est génial.